Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous recevoir. De vous recevoir, oui. Je vous reçois, effectivement. En tout cas, de vous retrouver. Pour la guidance de la semaine. Alors, semaine, c'est un peu particulier. Là, c'est la quinzaine. Pour des questions logistiques et de pratique pour moi ce mois d'août, on va faire première quinzaine, deuxième quinzaine et on reprendra nos habitudes au mois de septembre. Donc, première quinzaine, du 1er au 12 septembre, là, pour nos signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, je vous propose un tirage avec le jeu de 32. Ensuite, nous prendrons deux cartes plus la coupe par chaque signe et on regardera avec augure rouge, sentimentalement, émotionnellement, dans quel état d'esprit vous êtes. Voilà, les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, première quinzaine, 1er au 12 août 2022 pour nos signes d'air. Nos Gémeaux, Balance, Verseau, à la coupe. Vous allez avoir des nouvelles de cet homme. Alors, ça peut être votre chéri, s'il est plus jeune que vous, de quelques semaines, de quelques mois. C'est quelqu'un qui présente bien, qui s'habille bien, qui peut être un petit peu immature. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles, ça peut être un agent immobilier, voilà, quelqu'un, c'est pour vous, un consultant, donc ça peut être votre chéri, bien entendu, ça peut être aussi une personne dans le cadre, voilà, comme tu dirais, une jeune personne qui s'occupe de papier, et on voit qu'il y a une réussite, hein. Il y a quelque chose de beau, si c'est sentimental, et bien écoutez, il y a une très belle réussite, et si c'est autre, c'est pareil, de toute façon, il y a une belle réussite. Alors, nous allons prendre nos 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous les voyez? Impeccable! Alors, en dos, pour nos signes d'air, nous avons, eh bien, vous, ma consultante. Ma consultante, une femme proche de vous, une dame brune pour moi. Il y a quelque chose qui est bloqué. Voilà, vous êtes bloqué et vous êtes bloqué. Et vous êtes bloqué sur une des nouvelles que vous attendez, des bonnes nouvelles. Et ça vous travaille, des nouvelles qui viennent du lointain, peut-être aussi de l'étranger. Et ça vous mine, alors. Regardez-moi ça, cette belle signature, les amis. Belle signature pour cette quinzaine du mois d'août. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Vous allez apprendre en tout cas qu'il y a une signature. Pour ou en rapport avec des papiers administratifs, c'est tout à fait possible d'ailleurs. Hein. Ou bien, vous allez apprendre qu'il y a quelque chose qui a été signé avec une jeune fille brune. Revoilà cette personne. Alors, donc, effectivement, il peut y avoir une signature qui est faite avec ce monsieur, qui peut un jeune, hein, qui représente un corps de métier. Ou bien, ça peut être votre chéri, comme je vous le disais, s'il est plus jeune que vous. Il y a une belle réussite, il y a un triomphe, il y a quelque chose de beau, en tout cas. Qui vous arrive pour cette première quinzaine? Et voilà, voilà votre... Alors, ça peut être votre chéri, ça peut être en tout cas un homme autour de vous. Là, c'est quelqu'un qui a un caractère assez fort hein, quand même. Hein. Donc, ou c'est une personne autour de vous, ça peut être évidemment votre mari. Hein. On voit que là, il y a de la signature avec une réussite. Concernant également des papiers, vous allez en entendre parler, en tout cas c'est certain, pour un homme ou avec un homme. Nous allons avoir des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles de votre sœur, de votre fille, de votre meilleure amie, mais ça peut être vous mesdames, si vous avez les cheveux clairs, vous pouvez être concernés, ça peut être un couple, hein, là. Attention, attention, je l'aime bien celle-là. Façon de parler, hein, bien entendu. Dame de carreau, vilaine dame de carreau. Ou c'est une dame aux cheveux clairs, méfiez-vous donc. Dame aux cheveux clairs.
ou bien autour de votre fille, de votre meilleur ami, de votre sœur, il y a une femme vénale. Concernant les finances, et bien entendu, bien sûr, on peut vous jalouser concernant vos finances. Hein. Alors, voilà aussi que c'est peut-être votre fils, votre meilleur ami ou votre frère qui a, on va voir après, des personnes autour de lui. En tout cas, vous allez en entendre, vous allez entendre avoir des nouvelles, entendre parler de votre fils, de votre meilleur ami, de votre frère. Avec quelque chose de tout à fait officiel concernant les finances hein, pour lui. Un jugement peut-être aussi qui a été fait pour donc votre fille, votre meilleur ami, votre frère. Ça concerne effectivement l'argent. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est signé et qui peut être très positif pour cette première quinzaine d'août pour vous, amis Gémeaux, Balance, Verseau. Oh là là, super! Il va y avoir un face-à-face. Alors, pour certains, ça peut être aussi un face-à-face avec un médecin. Vous voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, on voit que c'est un face-à-face tout à fait avec une personne assimilée. Vraiment quelqu'un d'une autorité. Ça peut être un juge. Hein. Ça peut être un patron pour d'autres dans l'activité professionnelle. Ça peut être tout simplement aussi dans votre activité, hobby, loisir ou un événement, un projet. Il y a un face-à-face avec cette personne assermentée, cette personne officielle. Ça peut aussi, il peut y avoir un face-à-face pour vous, mes amis, dans le milieu professionnel également, quelque chose que vous allez signer. Dans quel cas, cette dame de carreau professionnellement peut représenter une chef de service, quelqu'un qui veut les choses carrées et droites. Bon, eh bien écoutez, trois as. Hein. Alors, je n'ai plus la signification là. Et, ne m'en voulez pas, mais voilà, je ne l'ai pas. Mais je sais que 3 As, en tout cas, 3 As, 4 As, c'est une réussite. Hein. On est presque dans le triomphe, là. Hein. Alors, As de pique, il y a quelque chose d'officiel pour un jeune homme, ou avec un jeune homme, en tout cas, qui est signé, qui est acté. On voit que pour votre sœur, votre meilleure amie, votre fille, ou pour vous, comme je le disais, si vous avez des choses claires, un médecin, sans doute, ou bien tout simplement quelque chose qui est acté officiellement avec cet homme officiel. Attention, votre fils, votre meilleur ami, votre frère a une femme vénale autour de lui ou comme je le disais, ça peut être, on le retrouve là, une patronne, une chef. Professionnellement, on voit qu'il y a une réussite. Vous allez avoir des nouvelles, entendre parler de papiers administratifs ou bien avoir des nouvelles d'une jeune fille brune. Il y a un face-à-face avec un homme pour cet homme concernant les finances. Waouh, beau tirage les amis. Belle quinzaine qui se prépare. Alors, on va regarder un petit peu maintenant pour nos amis Gémeaux. Pour cette première quinzaine du mois d'août, 1er ou 12 août, pour nos amis Gémeaux. Pour nos amis Gémeaux. Hop là. Eh ben, on va les prendre, elles veulent parler, hein. Alors, les étoiles, on se projette, on y va là, il y a quelque chose qui va regarder ça. Stabilité, nouvelles, vous allez avoir des nouvelles, finances, ça peut être un chèque, hein. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de vous stabiliser. Super, très très beau, superbe. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle orientation, amis Gémeaux. Alors, à la coupe, nous avons... Ah, attention, des tensions. Bon, on a bien vu une dame de carreau tout à l'heure, effectivement, concernant les finances. Peut y avoir aussi avec un patron, hein, un petit conflit, pour certains, un petit abus. Bon, rien de bien méchant parce qu'on voyait une belle réussite dans votre tirage, mais soyez vigilants quand même. Concernant les finances, concernant aussi la santé pour certaines personnes, et bien pour vous, mon consultant, un homme proche de vous, c'est vous, madame, qui regardez cette guidance. Attention aussi à ne pas vous disputer concernant les finances avec votre chéri. Ça bouge, il y a du mouvement, là, doublement. Donc, là, pour certains, peut-être que vous partez en voyage. Hein, c'est tout à fait la période. Peut-être que vous allez rendre une visite. En tout cas, c'est ce qu'on voit, là. Vous allez, y a du mouvement hein, pour vous, cette, pour nos Gémeaux. Vous pouvez aussi peut-être rendre visite
Il y a un homme là qui. Un homme peut-être aux yeux marrons, vous allez rencontrer. Ami Gémeaux, vous me direz, yeux noisettes. Vous me direz, ami Gémeaux, si ça vous parle, hein? En tout cas, on voit qu'il y a du déplacement, il y a de la visite. Ça va bouger là, ça bouge, ça bouge. Alors si c'est dans les projets, ben, écoutez, on l'a vu. On a bien vu qu'il y avait un déplacement, qu'il y avait de la signature, ça bougeait, il y a de la réussite, il y a même un face-à-face, donc hein, c'est ce que je disais. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que sentimentalement, attention pour certains, on peut sentir qu'il y en a un des deux qui est distant et de ce fait, eh ben, on se dit, il est peut-être temps de profiter de moments ensemble, hein, donc on part en voyage, mais. Certains en voyage vont se rendre compte qu'il y a un des deux partenaires qui est distant, bien entendu. On vous dit aussi qu'au niveau santé, il va falloir un petit peu prendre soin de soi, de lever le pied. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'argent peut-être familialement. Mais est-ce que cet argent va rentrer ou sortir? Il y a de la finance qui bouge là, pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être aussi que c'est en rapport avec un héritage, remarquez. Hein. Tout à fait. Hein. Est-ce que d'autres ont envie de déménager au bord de la mer ou passer des vacances là au bord de la mer? C'est possible aussi. Voilà ce que l'on peut voir. Alors, on va regarder émotionnellement, sentimentalement, dans quel état d'esprit vous êtes. Ah, ben, elle ne veut pas venir. Dans quel état d'esprit vous êtes, sentimentalement, émotionnellement? Hop. Alors, Péronnelle, jeune fille sotte et bavarde, une Péronnelle. Ça ne s'utilise plus aujourd'hui, ça, mais c'est vrai, Péronnelle. C'était quelqu'un qui était léger, qui était. Voilà. Qui n'avait pas grand-chose dans la tête. Jacasserie, cancan à l'horizon. Tout à l'heure, à la coupe, on avait vu des conflits. Hein. Rien de bien méchant, si ce n'est que vous pourriez en être le sujet. On vous jalouse, on vous envie, on parle dans votre dos. Cela prouve au moins que vous êtes inspirant. Bon, écoutez, c'est tout à fait exact. In naturalis. Bus, c'est nu. Là, cette carte, elle vous demande de prendre soin de vous, de célébrer ce qui est beau. Ce qui est, même si c'est imparfait, même si on se trouve imparfait, on est unique. Chaque personne est unique. Hein. Donc, eh ben, vous créez peut-être de la jalousie. C'est ce qui explique qu'on a peut-être aussi le sentiment entre vous qu'il y a un intrus. Voilà, peut-être qu'il y en a un, dans le couple, là, il y en a peut-être un qui, voilà, qui se fait peut-être des idées. Et tout simplement, ben là, ce qu'on vous dit, donc, il y a peut-être on se fait des. À l'intérieur de soi, comment je peux dire, on se fait des films. Voilà, je cherchais. On se fait des films, tout simplement. Il est temps de repenser à vous, tout simplement. C'est ce qu'elles vous disent, ces deux cartes-là, en fait. Hein. Et on vous jalouse. Oui, bah écoutez, c'est pas grave, ça. On vous jalouse. C'est pas. L'important, c'est que vous soyez bien. Bien. Montrez-vous tel que vous êtes. Montrez-vous, eh bien, comme c'est indiqué. Naturalibus, nu. Je vous le dis, même si on a l'impression d'être imparfait, on est unique. Donc, on se redécouvre. Et c'est ce qui expliquait qu'il fallait qu'on parte un petit peu en vacances tous les deux, ou un week-end, ou bien mettre les choses à plat. On se redécouvre, tout simplement. Et si ça cancane autour de soi, on s'en moque. Le principal, c'est d'être bien dans sa tête et bien dans son corps. Voilà ce que l'on peut voir, les amis. On passe à nos amis Balance. Amis Balance, première quinzaine d'août, du 1er au 12. Du 1er au 12 août. 1er au 12 août. Il y a une certaine charge, une tristesse, une croix concernant le professionnel pour certains, concernant un papa pour d'autres, concernant les finances pour d'autres. Peut-être qu'il y a quelque chose de lourd à porter là pour une certaine. Pour. Ça touche le domaine familial. Alors, il peut y avoir une charge de travail pour certains. Il peut y avoir quelque chose qui touche le financier.
et qui est un petit peu dur à avaler concernant l'immobilier. Et oui, parce qu'il est dur à avaler, c'est qu'il y a de la trahison autour, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, ou alors attention au niveau famille, peut-être que là, il y a de la dispute familiale. Suite peut-être à de l'argent. En général, de toute façon, les conflits familiaux, c'est toujours autour de l'argent, bien souvent. Après un héritage, par exemple. Alors, accord, union. Waouh, c'est joli ça, les amis. Ami Balance, sentimentalement, déjà, on va recevoir de lettres d'amour, messages romantiques. Quelque chose de beau arrive là, concernant une union, un engagement. Peut-être qu'on vous propose quelque chose pour cette première quinzaine d'août, les amis. Il y a un engagement sentimental là. Pour d'autres, bah écoutez, là, on voit qu'il y a de la signature, il y a de l'engagement, il y a un contrat, en tout cas. Il peut y avoir aussi l'arrivée d'un chèque de ce fait, concernant ce partenariat, cet engagement, une association, par exemple, avec des associés. En tout cas, des bonnes nouvelles qui arrivent, là, genre faire part de mariage aussi. Très joli. La première quinzaine s'annonce vraiment très très lumineuse pour vous, les amis Balance. En sentimental, en tout cas, c'est très beau. On voit que voilà, il doit y avoir une belle promesse qui arrive là, qui se présente. En tout cas, bah, le financier les met à l'honneur aussi, hein, forcément. Moi, je pense qu'il doit y avoir, si vous recevez, si vous avez des nouvelles des finances, c'est suite à une signature, peut-être une vente. On a vu l'immobilier tout à l'heure, mais attention tout de même parce que on a bien vu que il y avait de la jalousie et de la trahison. Hein. Attention qu'on ne vous jalouse pas, bien entendu. Hein. Voilà. Ou bien professionnellement aussi, on signe un contrat. Très jolie votre première quinzaine, ami Balance. Alors, émotionnellement, sentimentalement, dans quel état d'esprit êtes-vous? Émotionnel, sentimental, dans quel état d'esprit vous êtes? Émotionnel, sentimental. Dans quel état d'esprit? Naqueté. Attendre servilement. Une attente, un délai, un retard semblent à déplorer, peut-être pour la signature. Les choses n'arriveront pas aussi vite que vous souhaitez. Un rendez-vous reporté, les rencontres se feront plus tard. Si l'être aimé n'est pas à vos côtés, il faut attendre son retour. Si vous cherchez l'âme sœur, le moment n'est pas propice. Tout simplement, je pense que ça nous annonce un léger retard, un contretemps pour une invitation, pour une signature. Rien de bien méchant. Peut-être pour un premier rendez-vous, pour le rendez-vous qui peut être pour X raisons remis à plus tard. Un carnat. Entre le rouge et le rose, entre le rouge et le rose, entre l'amitié et l'amour, vos sentiments semblent confus. À propos d'une personne, cueillez la vie avec spontanéité et voyez comment cette relation évolue d'elle-même. Elle prendra le chemin qui s'impose. Alors, de ce fait, sentimentalement, bien entendu, si pour X raisons, il était prévu un rendez-vous et qu'il est reporté, qu'il est déplacé, vous allez vous poser des questions. Forcément. Ça va vous permettre d'un seul coup de vous dire, c'est confus. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que oui, cette personne a des sentiments pour moi? Voilà, on va se retrouver entre deux couleurs, tout simplement. Mais l'être aimé est là. Simplement, le moment propice n'était peut-être pas à ce jour, à cette heure. En tout cas, dans cette quinzaine, les choses vont bouger. On l'a vu tout à l'heure avec. C'est magnifique. Voilà. Ami Balance. Nous passons au Verseau. Ami Verseau, du 1er au 12 août, première quinzaine du mois d'août. Alors, voyons voir un peu cette première quinzaine du mois d'août, les amis. Première quinzaine du mois d'août. À la coupe. Les étoiles, l'orientation, on est sur la bonne voie du succès, quelque chose de beau. Dans la santé, nous allons vers une guérison, nous allons vers de l'espoir en tout cas, quelque chose de beau se présente. La croissance, la famille aussi, c'est les racines, hein. Il y a quelque chose de beau, il y a une belle connexion, ami Verseau. C'est pour vous, mon consultant, pour une femme proche de vous.
Vous avez pris connaissance de choses qui, en fait, ont permis de lever le voile, ont permis de grandir, ont permis d'amener les choses autrement et d'avoir une meilleure santé morale et physique. Alors, des nouvelles arrivent, les amis, des nouvelles qui vont vous permettre de prendre une décision, de prendre une nouvelle orientation, peut-être aussi. Peut-être vous étiez dans l'hésitation. Alors, sans doute aussi qu'il y a une hésitation. Hein. De ce fait, vous allez être obligé de prendre une décision sur deux choix. Pour d'autres, on peut voir aussi que vous allez recevoir deux lettres, dont une, c'est peut-être une relance, vous voyez, de quelque chose qu'on a oublié de payer ou qu'on a cru payer. Et ben voilà, on se tape une jolie petite relance, ce qui fait plaisir, toujours plaisir au mois d'août, hein, veille de rentrée, de recevoir une relance. Voilà, pour certains, une information hein, qui va arriver et qui, du coup, va vous mettre un petit peu dans le doute par rapport aux décisions que vous devez prendre. Vous allez bien réfléchir. La décision, elle va être, voilà, il va falloir réfléchir. Si c'est financier, également, ça va imposer que le choix, il va falloir réfléchir avant de faire un choix pour que la situation s'avère payante, que ce soit une réussite, hein, forcément. Hein. Prudence, j'ai envie de dire. Hein. Pour d'autres, financièrement, c'est un chèque qui arrive et qui va vous permettre peut-être de choisir un des deux. Voilà, vous avez peut-être le choix, hein, et vous allez du coup être obligé de choisir, de prendre une décision. Santé, vous pouvez recevoir aussi des résultats d'analyse, de check-up. Alors peut-être vous en avez fait plusieurs d'ailleurs, hein, tout simplement. Bon, pour d'autres, peut-être aussi que il y a au niveau travail, vous allez recevoir Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau travail, vous pouvez par exemple avoir un contrat. Mais on va vous faire deux propositions. Vous allez choisir celle qui vous convient le mieux au niveau de vos qualifications et de plein de choses, hein, aussi bien déplacement, endroit, voilà. Vous allez avoir deux propositions. Bon, écoutez, c'est pas mal ça quand même. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent de toute façon pour CS. Sentimentalement, il peut y avoir aussi, j'ai envie de dire, un joli message qui arrive. Hein. Quelque chose de, qui va vous faire peut-être prendre un nouveau tournant dans votre sentimental, prendre une nouvelle direction aussi, certainement. Célibataire, là, on est en train de vous dire qu'il est temps de vous lancer hein, également. Alors, on va regarder émotionnellement, sentimentalement, dans quel état d'esprit vous êtes, ami Verseau, pour cette première quinzaine. Première quinzaine, du 1er au 12. Alors, érubescent qui devient rouge. Vous pourriez être troublé par une personne ou un désir fugace, une image forte va marquer votre esprit et risque de vous obséder quelque temps. Un cœur qui bat plus vite, des joues qui s'empourprent, des mains qui tremblent, préparez-vous à ce type de manifestation dans les prochains jours. Ami Verseau, on va se retrouver face à quelqu'un là qui ne va pas laisser indifférent. Corallin, rouge comme le corail. Eh bien, ça confirme. Le rouge est de mise, couleur de feu, de la passion et du sang qui abreuve nos corps. Il est aussi le signal de l'interdit et du danger. Quel sens aura le rouge pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'on ne va pas franchir l'interdit, ami Verseau? Est-ce qu'on ne va pas être troublé par quelqu'un où on ne devrait pas être troublé? Ou est-ce qu'on n'est pas troublé par quelqu'un et on ne devrait pas l'être? Voyez comment ça vous parle? Les amis, rouge comme le corail. Voilà, ami Verseau. Bien, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. J'ai été ravie de la faire. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Pour ceux qui ont repris, je vous souhaite une bonne reprise. Pour ma part,
Je vous souhaite une bonne quinzaine d'août et je vous dis à bientôt.